Nous sommes aujourd'hui dimanche, c'est la fête des pères. Et là, moi, je me suis réveillée, il est 9h30. Et Martin, lui, il est encore couché parce qu'il n'a pas travaillé aujourd'hui. C'est quand même la fête des pères et c'est dimanche. Et moi, je me suis levée pour faire mon petit café. Et je vous laisse avec les images. Et ce matin, mon homme a décidé de manger la salade. Donc, du coup, j'ai entendu les bruits là. C'est comme s'il s'est réveillé. Et là, je prends le vinaigre. Je m'empresse pour lui faire la salade en buvant mon café. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Léa Julie, maman de 4 enfants. Là, c'est Iris, ma première fille. Elle vit au Cameroun avec sa grand-mère. Moi, je vis à Paris avec mes 3 plus petites. Et je vis en plein cœur de Paris, heureusement pour moi. Et je suis aide-soignante et je travaille en plein cœur de Paris. Et c'est ça qui me facilite un peu la tâche. Vous comprenez à quoi cela rime? Le travail et la famille. Je vous laisse avec les images. C'est quand vous allez manger ce midi. Encore la pizza, oui. Non, pas de pizza encore, par contre. Qui? Je dis à maman que je veux filmer elle, mais elle a choisi Cassandra. Mais maman, quand même, et après tu l'as choisi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a après Cassandra, c'est toi, ok? Maman, Anna, à l'école, elle me l'avait donné pour mon anniversaire. C'est quel cadeau, ça? Mais par contre, elle m'a pas donné tout quand même, parce que sinon, c'est abusé. Ah, il est bon, le jus de ça. Quand elle n'est pas dégoûtante. Oh, il y a l'huile dedans. Oh, Cassandra. Oh, maïs. Maman, depuis... Tu as gaspillé mon maïs. Mon maïs aussi. Maman. Il reste plus de maïs. Bah, tu mets pas tout, hein. Tu mets pas tout, maman. C'est quoi ça? Tu vas mettre tout. Non, donne le reste, donne. Non, on va manger. Et maman? Et là, je prends les olives, c'est tellement dur à ouvrir. Je pense que Martin s'est réveillé, il est au salon et je vais lui donner pour qu'il m'aide à ouvrir. C'est quand même sa salade, hein? Bah oui. Papa va
papa. Maman, mets le reste du maïs. Quitte. Comment ça, il y a le joli. Il y a un téléphone qui sonne. Quitte, Cynthia. Dis bon. Et Baragor. Maïs. Maman, je savais pas que dedans. Fools like them, they suss me out and then they ghost. J'entends les bonnes fêtes des pères là-bas. En attendant, comment vous trouvez ma salade? Bonne fête, papa. Et là, je lui fais un gros câlin de bonne fête. Je m'excuse déjà parce que là, je ne me suis pas maquillée. Je viens de déposer Kezia à l'école. Je ne me suis même pas encore brossé les dents. Mais je voulais partager ça avec vous. Et je dis merci à tous ceux qui s'abonnent tous les jours sur ma page. Vraiment, merci de m'encourager. Et surtout, partager, liker. N'oubliez pas surtout ça, c'est important. Partager, liker. Tu fais seulement ça comme ça, clique sur la vidéo que tu as vue, ma chérie. Ça va beaucoup m'aider. Ça va aider ta soeur. Alors, abonnez-vous. Écoutez ce petit conseil ici. Petite parenthèse. Avant de faire tout ce que je te dis dans mes vidéos, là, sois sûr que ton homme est venu vers toi sincèrement. Sois sûr qu'il n'est pas venu pour un intérêt. Sois sûr qu'il paye les factures à la maison. Sois sûr qu'il travaille. Sois sûr que ce n'est pas un gigolo. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Avant de faire tout ce que tu vas voir dans mes vidéos pour garder ton homme. C'est vrai, il va te tromper, ça c'est sûr. Tous les hommes trompent. Hein, oui. Laisse-le même te tromper parfois. Laisse-le, c'est pas grave. Mais montre-lui que il n'y a pas ton égal dehors. S'il va dehors, il va rencontrer les panthères là-bas. Et il va te regretter. Donc, n'écoutez pas ce que les coachs vous disent. Fais ce qui va plaire à un homme. Montre à un homme que rester avec toi, c'est le paradis sur terre. Montre à un homme que c'est important. En fait, tu dois montrer à ton homme que... En fait, comment expliquer ça? Tu dois lui prouver ce que tu es. Tu dois lui prouver ta valeur. Vous voyez, moi, je ne me maquille pas facilement. Je ne sais pas ce que j'ai contre le maquillage, mais c'est un truc... Quand je pense à mon maquillage, c'est un truc, ça me lasse quoi. Mais c'est important de se maquiller pour plaire un peu à son homme. Mais tellement j'ai déjà confiance en l'amour de mon mec, je ne dis, je peux pas boire son caddie, mais j'ai le sentiment et je sais qu'il me considère. Parce que aimer, c'est trop dire. Donc, avant de faire tout ce que je fais dans mes vidéos, sois sûr qu'il n'est pas là pour un intérêt quelconque. Parce que quand moi j'ai croisé mon homme, je n'avais qu'un seul caba au corps. Comme moi j'aime d'abord les cabas, je suis mamie caba. Je n'avais qu'un seul caba. Je vous raconterai ça dans mes stories, quand je vais commencer les stories time. Et je vais vous parler de mon parcours du Cameroun jusqu'à Paris, par la route. Parce que moi, je suis une bosailleuse, moi, je ne suis pas venue par Golden. Donc, avant de faire tout ça, quand moi, je me suis croisée avec Martin, il n'avait rien, je n'avais rien. Déjà, même, il était sans papier et j'étais sans papier. On n'avait même pas de maison. Moi, j'étais à l'hôtel. Lui, il habitait chez quelqu'un. Donc, mais comme tellement on s'aimait vraiment, on a décidé vraiment de se mettre ensemble et de se battre pour réussir. Parce que moi, les vieux blancs, moi, c'est un truc qui ne m'a jamais intéressé. Mais je vous en parle, je vais vous reparler
Donc, avant de faire tout ce que tu me vois faire dans mes vidéos, là, je ne fais pas ça avec un homme qui ne m'aime pas. Hein. Si c'est déjà même que tu ne m'aimes pas, je vais être bizarre devant toi. Je ne vais même pas faire les efforts pour que tu partes, pour que je voie vraiment ton vrai visage. Donc, avant de faire tout ce que tu me vois faire là, pour garder, respecte-le. Même s'il a quel âge, respecte-le. Hein. Le respect pour un homme, c'est primordial. Et vous connaissez ici en France, c'est surtout les femmes. On privilégie les femmes et les enfants. C'est pas parce qu'on t'a privilégié, tu as un bon travail, tu as un bon salaire. Du coup, tu ne veux plus respecter ton homme. Ou bien tu vas lui dire que tu es chez moi. Non, ça ne se fait pas. L'homme, si tu es intelligente et que tu veux vraiment rester avec lui, que tu veux rester dans ce mariage, respecte-le. C'est important. Le respect. Donne-lui sa place d'homme. Montre-lui que c'est lui le roi. C'est lui le chef. Il est ton chef. Et tu vas voir, il va croiser tout genre de belles filles avec les make-up pas possibles dehors. Mais il sait que sa maman, sa mère, son cœur, sa racine est à la maison. Et je vais vous faire des story time, mais pas pour aujourd'hui, pour l'instant. Pour garder ton homme, respect, occupe-toi de lui. Sois sûr qu'il n'est pas là pour un intérêt. Sois sûr que c'est un homme d'avenir, comme Coach Amon Chic le dit. C'est un homme d'avenir. Sois sûr que c'est un homme qui ne regarde pas l'argent de la femme. Parce qu'il y a les hommes ici, quand la femme travaille, il veut trop mettre l'œil dans ton... Non, le genre d'homme, il dégoûte même. Moi, ça... déjà, je commence à te manquer le respect sans même le vouloir. Ça vient seul. Dans l'homme, sois sûr que c'est ce genre d'homme-là pour faire ce que je fais avec Martin. Sois sûr que c'est un homme. Il prend le caddie à la fin du mois. Il fait les courses. Il remplit la maison. Allez voir dans ma vidéo de retour aux courses. Je n'ai même pas donné mes 5 francs là-bas. C'est son argent. Et il fait ses courses pour ses enfants. Un homme comme ça, maman, prends-le comme l'œuf. Eh oui, prends-le comme l'œuf. Ne blague même pas, n'aime même pas honte devant les gens. Même s'il faut le soulever comme ça ou devant le monde entier pour lui dire c'est mon roi. Fais-le. Et ça va lui donner honneur. Ça va même le pousser à avoir confiance en toi. Et à je peux dire, rester. Moi, je suis à 10 ans déjà avec Martin. Ah lui, 10 ans. Donc, abonne-toi à ma page. Je vais rester comme ta grande soeur, peut-être même ta maman. Et je vais te donner les conseils. Pour si tu vas garder ton homme, tu vas faire peut-être même, peut-être jusqu'à ce que la mort vous sépare, comme c'est le souhait de toutes les femmes. Donc, abonne-toi et je te laisse avec les images. Bisous. Et j'allais même oublier, je ne vous ai pas dit d'aller draguer les hommes. Parce que quand tu dragues un homme et que vraiment il ne ressent rien sur toi, ce qui va te montrer. Vous connaissez les rococos de Paris, les papas de 50 ans ici là. Quand il est même avec toi, il va même te montrer que toi, tu es même une maman et que vraiment, lui, c'est les petites filles qui le pleurent dehors. Donc, n'allez, je ne vous ai pas envoyé d'aller draguer les hommes. N'allez pas aux mes soeurs. Faites gaffe, laisse que l'homme vienne te draguer et qu'il fasse vraiment, qu'il te montre qu'il veut être avec toi. Tu vas faire des efforts et faire tout ce que je fais là. Mais à défaut, ignore-le même. Ne l'appelle même pas. Donc, je vous laisse avec les images. Et là, Cynthia, elle aime la salade vinaigre, sans rien dedans, juste la salade verte plus le vinaigre balsamique. Et je l'ai aidé à faire, elle va manger avec ça. Bon appétit! Merci. Et là, je les laisse manger et moi, je vais dans la douche, je vais trier les habits pour mettre, pour laver quoi. Après, tout à l'heure, quand ils auront fini de digérer, on va faire un tour dehors en famille quoi. Et là, j'ai tellement envie d'un fruit, d'une clémentine que je vais au salon là et je vais prendre une clémentine pour sucer un peu. Après, je continue mon boulot. Et là, j'ai fini de travailler. J'entre dans ma douche, ma salle de bain. Là, je vais vous présenter le gel intime que mes filles mettent. Elles sont encore petites, mais elles utilisent un gel intime. C'est neutre et sans colorant. Donc, ça n'a pas d'effet sur les enfants. Donc, vous pouvez utiliser ça pour vos petites filles, quoi. Parce que les pipis, tout et tout... Et moi, je vais manger les finis et j'entre dans ma réserve et je vais récupérer la dernière bouteille qui me reste et puis je vais remplacer. Pardon, ne m'insultez pas, c'est en désordre là. Hein. Mais ça, c'est pour la douche. Dans ma chambre, c'est bien rangé. Et là, je vais utiliser ça pour laver le minou. Je passais pour prendre certains de mes pommades de visage dans la chambre. Kezia m'a appelé directement et me dit « Maman, viens, on danse. » Pour lui faire plaisir, alors je m'arrête un peu, je danse un peu avec elle. En passant, la robette que vous me voyez avec là, normalement, bon,
c'est pour rester dans la maison, c'est comme un pyjama et tout. Et puis c'est bon pour l'été. Donc j'ai acheté ça au champ, je pense que c'était à 9 euros et poussière, hein, au champ Gallieni, c'est là où moi j'ai trouvé ça. Donc si vous aimez les petites robettes comme ça là, n'hésitez pas à aller là-bas, c'est pour la maison, c'est bien, l'air passe partout. Hein. Et là, Martin me demande qu'on a trop dansé, moi et ma fille, Kezia. Donc, il faut que j'aille me doucher parce qu'on a prévu de sortir un peu avec les enfants. C'est quand même dimanche. On n'est pas allé aujourd'hui à l'église. On a voulu passer le temps en famille à la maison et tout et tout. Et là, il faut que j'aille me doucher. Et au retour de la sortie, je vais faire le coq. Le coq de ça. Et là, du coup, on sort, on trouve une manifestation qui se passe dans Paris. Là, moi, je suis dans le 11e. Et on est en train de regarder. Apparemment, c'est les gays qui sont en train de fêter, de manifester que les gens ne les aiment pas, quoi. Et là, je suis en train d'expliquer aux filles. Les filles me demandent qu'est-ce que c'est que les gays, quoi. Et j'essaie quand même de les expliquer. Mais bon. Et là, nous sommes de retour à la maison. En fait, je vous ai épargné la balade. Hein. C'est pas tous les jours quand même que. Hein. Et là, je commence par le manioc. J'entre en cuisine pour faire le dîner. Et là, je commence par le manioc. Je vous laisse avec les images. Je vais faire le coq. Vous allez sûrement me dire que pourquoi je fais le manioc petit comme ça. En fait, je fais le manioc un peu comme ça parce que c'est une expérience que j'avais déjà essayé. J'ai fait le manioc, les filles n'ont pas touché. Je les ai même suppliées de goûter, elles n'ont pas voulu goûter. Donc du coup, là, je fais juste mon manioc et pour mon homme, quoi. Et mes enfants vont manger du riz. Et là, j'ai bouilli la queue de bœuf hier, la veille. Et j'ai aussi bouilli le coq. Et là, j'enlève la queue de bœuf dans la marmite. Et le liquide qui va rester, je vais émietter l'arachide dedans. Et je vais laisser mijoter un peu. Après, on va mettre le coq. En fait, je vous laisse avec les images. Et
Et là, je voulais faire le coq des bassins. Je n'ai pas trouvé l'arachide écrasé, en fait, qui n'est pas grillé là. Et là, je suis obligée de faire le coq de chez moi parce qu'il n'y avait pas les arachides écrasés en blanc là. Donc, qui n'est pas gris, qui ne sont pas grillés. Donc là, ça, c'est le coq de chez moi à l'est. Je suis de l'est Cameroun. Et là, le coq, j'ai bouilli le coq depuis hier parce que c'était encore dur. Donc, j'ai bouilli la veille et j'ai gardé. Le manioc là, elle est bon, hein? Pas vrai? C'est tout blanc, le bon manioc blanc, c'est cuit. C'est du bon manioc. Mmh. Oh, j'adore. Bon manioc, bien blanc. Ça va faire la faire pour tout à l'heure. Et là, l'arachide a bouilli. Là, je mets le coq. Et là, je mets le nsugi, ça c'est chez les Bassa. Et là, je mets le biton, ça c'est chez moi. Salé à votre goût. Je mets un peu de sel. Et après, je vais mettre les cubes. Donc, vous pouvez saler à votre goût, hein. Et là, est-ce la hora de mettre les queues de bœuf? Maman, j'ai déjà l'accent espagnol. Hein. Depuis que je suis allée en vacances en Espagne, là, ça ne va plus dans cette maison. Hein. Ah, j'ai lancé maintenant l'emballage du cube dans ma marmite. Mamma mia. Mamma mia. Après, on va dire que ça, c'est l'autobasio. Donc, il faut que j'enlève ça. Donc, j'ai attendu que ça soit un peu lourd. Après, j'ai vu que c'était presque à point, quoi. Écoutez le bruit de mon coq. Et là, mon coq est prêt. Ça sent bon. Et là, je vais servir ma petite famille. Même mes filles aiment le coq, hein, mais c'est la viande qu'elles n'aiment pas. Mais bon. Et là, comme entrée, je vais faire le melon. Même comme nous, les Africains, on n'a pas tout le temps l'envie de faire l'entrée, sortie. Nous, on veut le plat. Mais pour aujourd'hui, quand même pour les fruits, c'est important. Hein. I'm
Ta sœur, on va prendre de l'eau. Cynthia, tu demandes à papa ce qu'il boit. On dirait que tu es fâchée, hein? Maman. On dirait que madame est fâchée, hein? Elle est vraiment maman, fâchée. Maman, moi j'étais en train de lire le livre à Kézia. Va demander à papa ce qu'il boit. Papa. Tu mets une bouteille d'eau, tu prends un jus quelconque, je sais pas. Et où venons, on se met à table. Bon appétit, là, on a le coq. Le bon coq. On a du riz, du manioc et des fruits. Cassie va prendre un jus. Coucou, tu bois quoi? Ça? Tu bois quoi, chérie? Du nectarine avec du citron. Nectarine avec du citron pour mon mari. Hein? C'est quoi le jus de nectarine? C'est le jus de cocktail. C'est ça, non, chérie? Le cocktail. On dit le cocktail. Bien sûr. Là, moi, je vais boire le jus de gingembre. J'ai encore un verre. Un verre, Sandra. Tout le monde à table. La Sandra est déjà à table. Non. Elle est fâchée. Elle voulait pas mettre de l'eau. Ah, bon appétit à tous. Merci maman. Merci maman. Allez, faites alors prier alors. Amen. Amen. Je mange le riz et ça. Moi, tu manges du riz et le crac. Tu manges quoi? Le riz et le coq. Mais voilà le manioc. Tu manges pas le manioc. Tu vas aller acheter, c'est à Château Rouge. Ah merci, je vais aller. Mais tu manges pas le manioc. Le manioc là est très bon en plus. Hein. C'est la queue de bœuf, tu vas supporter. Non, je sais pas, moi je vais goûter alors. C'est pas la queue de bœuf. Hey, tu connais pas la queue de bœuf? Bah non. Hé, la française. Ouh, la française de ça. C'est mon jus de gingembre. Bon, bon appétit la famille. Hein. Nous, on va manger le coq. Un bon coq à la queue de bœuf. Elle est là sur le mur. Les grosses queues de bœuf. Qui mange la queue de bœuf parmi vous tous? Tu manges? Je vais goûter. Papa te met une petite queue de bœuf? Oui. Un dobo. Un dobo. La petite queue de bœuf. Mais je pense que tu vas aimer. Mets ça. Petit. Hey, ça, c'est gros, hein. Tu n'aimes pas ce qui est gros? Bah non, j'aime pas. Bah là, je mange ça. Et si, maman, et si c'est trop dur à manger? Non, moi, c'est tendre. Mettre... Jusqu'à le feu sort. Tu vas aimer. Tu vas aimer. C'est dur. Commence pas. Commence pas. Ça va, ça marche. Non, mais vraiment, la maman. Du bon manioc blanc. Du bon jus de gingembre. Maman, oui, chérie. C'est juste que l'eau, regarde. Il n'y a pas de chance. Je vais t'arrêter de du bon coq et du manioc. Une bonne queue de bœuf, maman, le goût de ça. Je vais encore faire un autre melon. Qui a fini le melon? Moi. C'est toi? J'ai même une tache de naissance sur le ventre parce que j'adore le fruit. Ah, je suis obligée de faire encore le melon pour ma famille. Ah oui, pas vrai, maman, la tomate, c'est un lait. Maman, la tomate, c'est un fruit ou bien c'est un légume? C'est... Oui. Cassandra, c'est quoi? Reprends, maman. C'est un légume, voilà. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire si la tomate, c'est un légume ou un fruit. Qu'est-ce qu'on peut le cuisiner?
Parce qu'on peut le cuisiner, c'est vrai, c'est un légume. C'est cassant le cas de la bonne réponse. Non, la banane, c'est un fruit, on peut quand même cuisiner. Même maman ne connaissait pas. Maman, je t'ai... quand les fleurs ils sont naturelles comme ça, là, ça veut dire... Tu manges peu? Mais vous m'avez fait... Et là, ici à Paris, c'est déjà la nuit. On laisse Kezia s'amuser un peu et ses soeurs digèrent. Elles vont aller faire les devoirs et moi, je suis... En fait, moi et Martin, déjà même il fait chaud. On a essayé de se changer. Là, moi, j'ai mis un mini-short. J'ai prêté le demandé de Martin parce que là, j'ai tellement chaud. Nous sommes déjà en été ici chez nous. Hein. Et là, lui, il est dans son téléphone et moi, j'essaye de regarder... J'attends mon magazine préféré du dimanche, Enquête exclusive. Je ne sais pas si vous regardez ça chez vous. Moi, c'est tous les dimanches. Je commence par 66 minutes magazine, Enquête exclusive. Et c'est comme ça que je passe ma soirée. Mais là, il y a le 19h45 qui va commencer. Et là, je disais à Martin que le 19h45 a commencé. Il s'est levé parce que lui aussi voulait suivre le journal. Et c'est ainsi qu'on a fini notre soirée. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, partagez, likez. Et surtout, laissez-moi les commentaires. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, faites-moi signe. Comme ça, je vais vous souhaiter la bienvenue personnellement. Bisous. Merci, je te dis merci déjà d'avoir regardé ma vidéo. Si ma vidéo t'a plu, abonne-toi à ma page, clique sur la cloche de notification, comme ça tu auras les vidéos toutes les semaines. Toutes les semaines, parce que là je poste une vidéo chaque... Et là je poste une vidéo tous les samedis. Abonne-toi si ma vidéo t'a plu. Comme ça, si tu es maman ou si tu n'es même pas encore maman, si tu envisages vivre en couple, abonne-toi à ma page, on va se partager des astuces et tout et tout. Surtout, je te souhaite la bienvenue et on est ensemble. Bisous.